possible. Raconte-moi une histoire. Audible, appli de livres audio et podcast, est heureux de soutenir Les Baladeurs. Les Baladeurs, une série audio, Les Others. Des balades, des aventures, en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Catherine est cavalière depuis son enfance. Elle aurait pu en faire son métier. Un rien a fait qu'elle a choisi d'autres voies. Mais elle garde en elle une relation forte avec les chevaux. Elle rencontre Tessa quelques mois avant notre histoire, une jeune femme rieuse qui partage cette passion équestre. Il y avait une nécessité de partir. On était toutes les deux déjà parties avant. Et on avait envie de repartir d'une manière ou d'une autre, avec des chevaux. Un jour, une proposition vient comme un signe. Les deux cavalières s'apprêtent alors à vivre un road trip à travers l'Europe de l'Est, parcourant les paysages merveilleux et décharnés, se heurtant aux réalités d'une vie en selle, sur les routes, avec leurs deux montures et un cheval de bât. Arrivées dans le Caucase en juillet 2019, elles doivent rejoindre l'Europe un mois plus tard. La relation avec l'animal, l'amitié qui se noue entre les deux femmes, quelles surprises les attendent le long de l'itinéraire. Un ami à moi qui a des chevaux et qui a déjà fait des longs voyages à cheval, il voulait lui faire un voyage à cheval dans le Caucase. Il a acheté un cheval, il a tout préparé, il est parti, mais son cheval s'est blessé au bout de très peu de temps et il a finalement abandonné le projet. Et d'un coup, il me dit, tiens, tu veux que je te donne mon cheval et tu fais toi un voyage. Et ça m'a... Faut pas me faire ce genre de proposition parce que... ça me plante une idée dans la tête que je lâche plus. Donc, notre premier cheval était Sarmat. On en avait déjà un. Il nous en manquait encore un, voire deux, parce qu'en fait, il nous fallait un cheval pour porter les bagages, mais ça, on n'était pas encore trop sûr. Donc, on s'est mis en quête d'un deuxième cheval. Et là, l'aventure a commencé déjà dans la quête du deuxième cheval, parce que pour trouver un cheval dans le Caucase, quand tu connais pas le Caucase et que t'as pas de contact là-bas, à part un type qui te dit « j'ai un cheval là-bas », c'est un peu compliqué. Finalement, on s'est mis d'accord avec un éleveur allemand, en Bavière, qui faisait un élevage des chevaux cabardes. C'est une race assez particulière du Caucase russe qui vit dans les montagnes. En fait, ce sont des chevaux super rustiques qui passent en fait l'hiver dans la vallée, l'été entièrement dans les grands troupeaux dans les montagnes près de l'Elbrus. Et ce sont des chevaux qui grandissent vraiment presque d'une manière sauvage en fait. Ils voient l'homme, mais de loin. Un cheval qui est vraiment un archétype de puissance, de noblesse, comme tous les chevaux. Mais lui, il a un truc en particulier, ce cheval. C'est que le cheval cabarde, il réfléchit face au danger. Alors qu'un cheval classique, enfin c'est un animal, va instinctivement fuir, le cheval cabarde a cette réputation d'être vraiment un cheval qui va réfléchir dans une situation compliquée, dangereuse, imprévue, pour son cavalier, en fait, pour défendre son cavalier. Et c'est aussi un cheval qui n'a qu'un seul maître, qu'un seul cavalier. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas lié une vraie relation avec ton cheval, cabarde, il te laisse pas le monter et il ne te fait pas confiance et c'est très difficile de les dresser. Mais quand c'est fait, quand tu as dressé ce cheval et que tu as passé du temps avec lui, il peut vraiment te donner sa vie pour toi. Et il y avait un éleveur en Allemagne donc, qui était intéressé par le fait de ramener un cheval cabarde. Il faut savoir que ramener un cheval du Caucase en transport classique, en camion, ça coûte extrêmement cher. Donc l'idée, c'était que nous, on fasse le voyage pour qu'on ramène ce cheval à pied. En tout cas, avec des passages de frontières, forcément, en camion, parce que t'as pas le droit de passer les frontières à cheval. Ça, je l'ai appris aussi sur le tas. Sur moi, je me suis dit, je vais passer toutes les frontières à cheval, comme à la belle époque, allons-y. Mais en fait, non, ça, c'était avant.
Et du coup, on a décidé de faire un tour dans le Caucase, de vraiment découvrir le Caucase à cheval, mais après de faire un énorme saut en camion, près de 2000 km en camion pour entrer en Biélorussie, traverser la Biélorussie et puis après entrer en Europe. Une bonne semaine avant le départ, je me suis rendue sur place à Nalchik pour les derniers préparatifs. Et là encore, il fallait ferrer les chevaux, il fallait préparer les chevaux, trouver tout le matériel. Il fallait construire avec un sellier, un monsieur super sympathique qui m'aidait beaucoup à développer une structure de bas pour le cheval de bas. C'était comme l'intérieur d'une selle sans la couverture en cuir où on peut mettre toutes les affaires. On partait finalement avec 3 chevaux, 2 chevaux pour nous, les cavaliers, et un troisième pour l'équipe, pour l'équipement, pour les sacs de couchage, la tente, etc. Et 36 000 choses comme ça. C'était vraiment un grand boulot les derniers quelques jours avant le voyage. Puis Tessa m'a rejoint sur place. Quand j'étais dans l'avion, je commençais à lire Lermontov, un héros de notre temps, un livre d'un auteur russe très connu et qui parle du Caucase énormément. Et j'étais déjà dans une espèce d'aventure, dans ma tête, très littéraire, très romanesque. J'étais pas du tout dans le côté pratique. Et c'est là où j'étais heureuse de partir avec Catherine, qui, elle, avait vraiment une expérience beaucoup plus concrète du voyage, parce qu'elle avait l'expérience déjà du bivouac, l'expérience des sports extrêmes, de la vie en plein air. Moi, j'avais dû camper une fois dans ma vie et encore une nuit. Donc, je suis vraiment partie avec la petite liste qu'elle m'a fournie en me disant « Voilà, t'as besoin de ça, ça et ça. » Le moins de choses possible, parce qu'à cheval, on doit être très légère. On avait vraiment 2 sacoches chacune, du matériel pour les chevaux. Donc, moi, j'avais ramené une sangle, un filet. On avait 2 selles sur place. Qu'on nous prêtait, et donc moi j'ai rapporté, je crois, 1 cure-pied, 1 licol éthologique, parce que je voulais monter au maximum sans mort le cheval à partir d'un certain moment, parce que c'était une démarche aussi, une relation avec l'animal, dans le respect, la confiance, la douceur, et d'essayer de monter au maximum comme ça. Donc je suis arrivée vraiment avec très peu de choses, une tenue de rechange et une brosse à dents. Et encore, j'étais encore trop lourde par rapport à Catherine, qui m'avait dit « faut être encore plus légère ». Donc on a allégé ensuite au fur et à mesure du voyage. On a laissé énormément de choses derrière nous. Et c'était assez chouette d'ailleurs de se délester au fur et à mesure du superflu. Parce qu'on se rend pas compte, mais on a besoin de très peu de choses pour voyager. Et on a fait le tour des 3 chevaux. Moi, je montais un jeune étalon Asker. Absolument magnifique. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, ça c'est vraiment un cheval extrêmement charmant et très très beau. Il était jeune par contre, il avait que 6 ans, il était plein d'énergie et il était monté, mais il connaissait rien en fait. C'était un cheval qui avait pas d'expérience, qui avait jamais voyagé, mais qui avait des très très bonnes jambes. Et les 2 autres chevaux, il y avait un qui était qui travaillait dans une petite écurie déjà depuis quelques ans. Il s'appelle Schweppes. Moi, je choisis un autre cheval qui s'appelle Schweppes, qui est plus solide, plus calme, qui a le sang assez froid, mais qui aussi est froid à la jambe et donc qui avance pas beaucoup, donc assez fatigant à mener, mais qui est un cheval adapté à ce qu'on essaye de faire. Le 3e cheval, il s'appelle Sarmat. Pas très beau, en fait. Super rustique. Pas très intelligent non plus. En fait, c'est celui des 3 qui s'est toujours enroulé avec la corde la nuit. Il s'est blessé. Il a fait plein de choses. Mais il s'est jamais plaint. En fait, c'est le seul cheval avec lequel on n'a jamais eu de problème parce que il était ultra solide. Une fois qu'on avait nos 3 chevaux, donc Sarmat, Asker et Schweppes, on s'est préparé principalement dans l'écurie d'Azamat, qui était vraiment l'éleveur le plus bienveillant de tous et la personne, notre meilleure interaction sur place. Lui, il a un troupeau de 300 chevaux cabards qu'il élève à 10 km du Moelbrousse, qui est donc le plus haut sommet d'Europe. Et dans son écurie, alors, c'était des espèces d'anciens bâtiments, un peu comme des kolkhoz, mais ça ressemblait à des baraques. Il y avait quelques chevaux là et puis les autres étaient en liberté. Il avait 2 gros chiens cabardes qui aboyaient systématiquement quand on arrivait avec les oreilles coupées, ce qui est assez brutal quand même. Et il y avait une espèce de ferme désaffectée où le toit s'était à moitié effondré.
On passe 3 nuits là, à tester le matériel, à nourrir les chevaux et à rôder les derniers éléments avant le départ. Azamat, l'éleveur de mon cheval Asker, qui était très très gentil, qui nous chargeait des masses de bouffe, d'un kilo de cacahuètes, de plein de choses, pour qu'on ne meure pas de faim pendant notre voyage, mais qui m'interdit à aller dans une certaine direction. Et la direction, c'était justement bien sûr la direction que j'avais choisie, c'était la Kabardino-Balkarie, c'est la région d'où viennent les chevaux kabardes, qui est une région dans le centre du Caucase et qui est flanquée d'un côté par la Tchétchénie, qu'on connaît par des histoires pas très plaisantes, et de l'autre côté par la Tcherkessie. Ce sont tous des peuples différents, dans des républiques différentes, qui bien sûr font partie de la Russie, mais qui ont à chaque fois un peu leur culture à elles. Et la culture kabarde, et surtout la religion, c'est la religion musulmane, mais très très modérée. Ce sont des gens qui se voient eux-mêmes très modérés, très, très gentils, et ils pensent que les voisins à droite et à gauche, enfin à l'est et à l'ouest, sont des méchants. Des méchants et qui sont plus ou moins des mangeurs d'hommes, mais certainement des mangeurs de filles. Donc ils m'interdisaient, pour le coup, de se diriger plein ouest, ce qui était mon plan, parce que je voulais longer la chaîne de montagnes pour après aussi s'enfoncer dans les montagnes et à l'altitude, parce que bon, on est dans le Caucase pour les montagnes quand même, et pas pour se traîner dans les champs de blé de la plaine, c'est pas très intéressant. Et du coup, il m'interdisait carrément d'y aller. Donc on avait décidé que Catherine montrait Asker, qui était l'étalon en tête. Moi, j'allais monter Schweppes et en cheval de bas, on avait mis Sarmat. Et pour avoir les deux chevaux liés sans que j'ai sans cesse besoin de tenir la corde, donc la longe, on avait... Azamat et son fils m'ont montré comment attacher la longe à la queue de mon cheval, de Schweppes. Donc il a enroulé en fait la longe d'une certaine façon, avec un nœud comme un nœud marin, mais autour de la queue de mon cheval, ce qui fait que le cheval est obligé de suivre derrière sans pouvoir partir sur le côté, dévier, et sans passer devant. Et que moi j'ai en plus liberté à l'avant-main. Donc c'était super pratique, sauf que moi je fais le nœud une première fois, puis forcément mon nœud se défait. Je me retrouve au bout de 100 mètres avec un cheval qui se balade derrière, qui est plus attaché. Et là, tout de suite, Azamat, Aline, Slimane débarquent en disant « Vous voyez bien, on vous avait prévenu, vous pouvez pas vous débrouiller toute seule. » Ils nous refont le nœud, en plus serré, et on repart. Et là, ils nous regardent partir et ils nous font des petits signes de la main. Mais vraiment, ils étaient émus et inquiets, donc c'était assez touchant. En très peu de temps, en fait, ils s'étaient vachement attachés à nous. Et donc, on part... pour une première étape d'une trentaine de kilomètres. C'est vraiment un autre monde, en fait. C'est la Russie. Les gens parlent russe. Enfin, ils savent parler russe, mais ils ont leur langue à eux. C'est des cultures musulmanes, déjà. C'est des cultures où la fierté, la liberté, c'est des valeurs fortes. Et comme disait Lermontov, en fait, là, ce qui compte, c'est les chevaux, les armes. Et ils s'en fichent surtout de toute autre valeur matérielle. On est face à des montagnes immenses. Donc, on voit toujours l'Elbrus de loin, une montagne enneigée. Et la nature, là-bas, est absolument magnifique, en fait. C'est très rude. On voit les montagnes partout. Mais, et ça forme aussi les gens. Je pense que vraiment, c'est pas une nature douce. Mais c'est très, très beau en même temps. Et une autre particularité, c'est qu'il y a partout des chevaux. Et en traversant des villages, partout, il y a parfois attachés à un piquet, parfois en liberté, il y a partout des chevaux. On passe de très beaux paysages, très naturels, très sauvages, avec des collines, avec des bergers, des troupeaux, un truc très bucolique. Et on bascule dans une vallée où il y a énormément de déchets. Il y a beaucoup de plastique, c'est comme une sorte de décharge où on voit que les gens en fait viennent déposer tout leur rebut. Et ça, voilà, tu reprends conscience que finalement, ouais, t'as beau être au fin fond du Caucase, ben les gens continuent de jeter leurs déchets n'importe où. Donc ça, c'est un peu la première un peu déconvenue, enfin désillusion sur cette première étape.
Notre premier jour était d'abord un peu dans les montagnes basses, mais après, on n'avait pas de choix pendant quelques kilomètres que de longer une grosse route. Et on ne savait pas comment nos chevaux ils allaient réagir. Il y a des énormes camions qui passent, il y a tout qui passe, et les Russes, ils freinent pas forcément quand ils passent à côté d'un cheval. Parfois, ils klaxonnent fort pour te saluer et ils hurlent par la fenêtre, ce qui est très gentil. Mais encore une fois, on ne savait pas comment nos chevaux ils allaient réagir à tout ça. On ne les connaissait pas tellement bien, les chevaux. Et du coup, oui, je n'étais pas tout à fait relax le premier jour. Finalement, on passe par des villages assez gris, assez tristes, où chaque portail est très coloré. En fait, les maisons sont très grises, toujours un peu en construction, mais les portails sont très colorés et des couleurs très vives. Et les gens sortent et nous saluent et nous regardent un peu, à la fois mi-admiratif, mi-méfiant, ne savent pas trop. Il y a les cabardes, il y a les Nogaïs, il y a les Tcherkesses. Et donc, les femmes sont souvent voilées. Soit elles sont ensemble à l'extérieur et elles prennent le thé ou le café. Soit elles sortent des maisons et elles nous regardent comme si on était des extraterrestres parce qu'elles se demandent ce que font ces femmes sur des chevaux, sachant que ben, voilà, là-bas, les femmes à cheval, on nous a dit, ça n'existe pas. Donc, elles nous saluent, elles nous disent bonne chance, bonne route. Enfin, Catherine traduit tout ça parce que moi, au début, je parle pas un mot de russe. Ça sera plus facile vers la fin du voyage. Mais au début, je comprends pas du tout ce qui se dit. Les hommes nous regardent aussi un peu amusés. Donc, c'est assez drôle. C'est une première prise de contact avec les habitants de ces villages. Et puis, finalement, on se retrouve à nouveau dans la nature. Là-bas, c'était plus propre, hein, chez les vaches. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on s'arrête chez les vaches. Les chevaux auraient peut-être dormi dans un box avec de la paille. Je ne me sentais pas tout à fait confiante comment ça va se passer parce que je n'avais jamais fait ça. Quand je suis à vélo, je connais mon vélo, c'est simple, je sais le réparer, je me débrouille, j'ai ma tente, je peux trouver un endroit où m'installer pour passer la nuit. Par contre, avec les chevaux, on a 3 chevaux, il faut toujours s'occuper de ces chevaux-là. La nuit, il faut trouver un endroit où ils peuvent... à avoir à boire, ils peuvent brouter, ils ont tranquillité. Il ne faut pas qu'ils s'échappent pendant la nuit. On n'avait pas vraiment eu l'opportunité de tester notre système, de les accrocher avec les piquets. Donc, je ne savais pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là. Il fait nuit, autour de 7h30 du soir, 8h, la nuit commence à tomber. Donc, on avait pas mal de marge. Déjà, les chevaux, au bout d'un moment, ils n'avancent plus. Et ils sont fatigués, nous aussi, donc on essaye au maximum de trouver du confort rapidement. À partir du moment où on sent que les chevaux fatiguent et qu'ils ont trop transpiré et qu'ils en ont marre, tout simplement, et c'est eux qui imposent la limite et pas nous qui disons « Ok, là, on s'arrête ». C'est vraiment eux qui nous disent « Là, on en a assez ». Petit à petit, on connaissait mieux les chevaux. Et on s'apercevait vraiment assez rapidement que ces chevaux sont extraordinaires. En fait, ils ont d'un courage et d'un calme vraiment extraordinaire. Moi, parfois, je marchais un peu pour alléger mon cheval. Mais quand il y avait une situation comme ça, par exemple, traverser des rails qui n'avaient pas de barrage, en fait, il fallait juste traverser, ou un pont qui était totalement en vrac et sur une fleuve. À chaque fois, il y avait une situation comme ça, je montais à cheval parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise en selle et sur mon cheval que marcher à pied à côté. Et de plus en plus, on les connaissait, c'est-à-dire on nouait un certain lien avec eux. C'était plus facile, surtout Asker, le jeune étalon, de le toucher et de s'approcher de lui et commencer aussi à me connaître. On arrive dans des collines où là, effectivement, il n'y a rien ni personne et on est seul avec les chevaux, mais on est attaqué par un essaim de frelons et de moustiques. C'est-à-dire que c'est tour à tour les frelons ou les moustiques, ou les deux en même temps. Les chevaux deviennent complètement fous, on part au grand galop dans les collines et nous-mêmes, en fait, on est couvertes d'insectes et c'est insupportable et ça rend les chevaux dingues. Et donc on se dit, voilà, on ne pourra pas camper là ce soir parce qu'il y a trop d'insectes. Et donc on continue, là la nuit commence à tomber, il faut qu'on trouve un endroit où passer la nuit. Et finalement, on passe devant une ferme
et avec un petit ruisseau qui coule devant. Et je me dis, ok, on a un point d'eau, il y a une ferme, il y a un chien, il y a des vaches, il y a des moutons, forcément un espace où on peut s'installer pour la nuit. Et là, je vois au sommet de la colline, de l'autre côté du portail de la ferme, un berger qui est à cheval et qui crie. Et je ne sais pas s'il crie pour nous ou pour ses moutons, mais il y a tout un troupeau de moutons qui dévale la colline et avec le berger qui galope derrière. Et je sens qu'il nous a repérés, mais de très 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 loin. Je me dis, comment est-ce que si loin il a pu nous voir, nous toutes petites, tout en bas? Mais il nous a vus, il crie, et à ce moment-là, quand il crie, il y a quelqu'un derrière nous, un autre berger qui crie et qui lui répond, mais qui crie à des kilomètres, il faut vraiment s'imaginer qu'il crie à des kilomètres de distance. Et donc j'entends derrière nous un autre type qui arrive, un berger qui réplique de je ne sais, qui sort vraiment de nulle part en fait, et qui arrive avec un cheval, un étalon en plus, donc Asker commence à piétiner. Là on se dit wow, il faut qu'on calme le jeu parce qu'on a deux étalons quand même l'un à côté de l'autre. Il dit tout de suite entrez, vous êtes les bienvenus, et il prend le cheval, il l'attache, il enlève la selle, il met tout le bagage dans un coin, et nous on était aussi très étonnés, on s'attendait pas à ça, et en 5 minutes les chevaux décellés sur un espèce de paddock et nos bagages au sec parce qu'il annonçait la pluie un peu. Et ils nous invitaient à les rejoindre dans la cabane. Ils avaient une espèce de petite maison, cabane, pour manger. Et nous disaient, oui, là, on va manger ensemble. Les chevaux sont bien, ils ont à boire et à manger, on va nous passer à table. Et moi, je disais, oui, on a encore un peu de nourriture dans les sacoches, je veux bien apporter quelque chose. Ils disaient, non, surtout pas. Enfin, ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire chez les Russes. Quand ils t'invitent à 100%. Et en plus, ils me disaient, oui, ton pain, tu le laisses là où il est, moi, je fais mon pain maison. Il avait un pain délicieux qu'il avait fait lui-même. Il avait le fromage fait maison, une soupe faite maison, et il mettait tout ce qu'il avait dans sa maison sur la table. Après, son alcool, c'était un alcool de miel fait maison. Et voilà, la fête commençait. Donc, on passait toute la soirée avec les deux messieurs à raconter des histoires. Moi, je faisais toujours la traduction entre le français et le russe pour que les histoires passent. Donc, c'était une conversation assez marrante. C'est ça. Tessa. Да, Тесса. По-русски Тесса. Наташка. Наташка. Et le lendemain, les chevaux sont un peu plus frais, on repart, et là on décide de se faire une excursion jusqu'à des chutes d'eau. Sultan et Madina nous avaient parlé d'une chute d'eau, on avait commencé à regarder un itinéraire possible avec eux. En haut de la montagne pour voir la chute d'eau, on campait la nuit là-haut, et c'était la première fois qu'on était vraiment toute seule dans les tentes avec les chevaux au piquet, vraiment comme il le faut, campement avec les chevaux. On avait des bonnes tentes et sacs de couchage, voilà. Les chevaux étaient vraiment que au piquet. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait rien du tout. Donc pour moi, c'était ça la grande question, est-ce que ça va tenir? Et la nuit, j'ai dû sortir de ma tente pour aller faire pipi, et du coup je vois un de ces chevaux qui se balade quelque part et pas là où on l'avait laissé la nuit. Et du coup, je pense qu'il y avait un nœud qui s'était défait, il fallait encore améliorer le système, ça s'est plus passé après, mais là je peux te dire j'étais quand même contente qu'il n'était pas allé plus loin. Donc je cherchais le cheval, je le mettais au piquet, tout ça au milieu de la nuit, mais après j'étais tranquille, j'ai testé et refait tous les nœuds, et on était seul avec les chevaux, et tout se passait comme il le fallait finalement, et on a vu qu'on peut vivre comme ça dans la nature, même s'il n'y a aucune ferme et personne qui nous accueille. On avait eu très très chaud toute la journée, et en fait il y avait ce ruisseau où il faisait nuit, et il y avait un orage énorme, les éclairs fendaient le ciel, enfin c'était dantesque, et on avait tellement envie de se laver, il faisait totalement noir, mais en fait il y avait des nuages, et tout d'un coup la lune est apparue, et là tout d'un coup le ruisseau était éclairé par la lune, et on rigolait, c'était tellement régénérant en fait, on avait vraiment l'impression d'une communion avec les éléments que j'avais pas ressenti, parce qu'il y avait à la fois l'eau fraîche, la lune, la pluie qui commençait à tomber, les éclairs
l'orage, le son, le corps, enfin le ressenti dans le corps, et cette espèce de joie en fait intense, de vraiment d'éprouver de la joie et de la reconnaissance d'être là, de pouvoir se laver. On se sent tellement vivant tout d'un coup. La deuxième partie du voyage était censée se passer en Biélorussie. Mais bon, la Biélorussie est loin du Caucase. C'est environ 2000 kilomètres. Et ces 2000 kilomètres-là, c'est une énorme distance. Et moi, je la connais déjà. J'ai plus ou moins fait ce trajet à vélo. Et c'est pas le coin le plus intéressant de la Russie. Du coup, on a décidé que ça sert à rien d'essayer de faire ça à cheval. On n'a pas des mois de temps, mais on a juste un temps limité de 2 mois en tout. Encore une fois, il fallait organiser le camion, ce qui n'était pas facile. Il fallait payer le camion, trouver un chauffeur qui fait ce qui est fiable aussi, qui fait des choses correctement pour faire ce trajet. On est parti de chez Azamat avec un immense camion qui ressemblait vraiment à un camion de cirque. Donc le type est arrivé, il s'appelait Ali. La difficulté, c'était de faire monter ses chevaux dans le camion alors qu'ils n'étaient jamais montés dans un camion. C'était le vrai départ aussi pour Azamat et Aline, qui étaient donc les éleveurs d'Asker. Et on s'est rendu compte qu'Aline était très très attachée à Asker, c'était son cheval. Il nous l'a laissé de bon cœur, mais en même temps, en fait, c'était pas le cheval prévu, ça on l'a appris qu'après. C'est que c'était un autre cheval qu'on devait avoir, mais qui avait été vendu avant qu'on arrive, mais on l'a appris qu'à la fin du voyage. Donc Aline, pour lui, voir partir Asker, c'était très dur. Il avait les larmes aux yeux, et quand on voit un colosse cabarde pleurer parce qu'il voit son cheval partir, ça m'a énormément touchée, parce que je me suis rendu compte que ces types, au-delà de l'aspect guerrier, au-delà de l'aspect patriarcal, d'une société très finalement masculine autour du cheval, des éleveurs, des dresseurs et pas de femmes, ils avaient une sensibilité et une tendresse en eux pour leurs chevaux qui était similaire à la nôtre, et qu'on était sur un plan d'égalité à ce niveau-là. Du coup, les chevaux étaient bien dans le camion. Il y avait 3 sièges, le chauffeur et nous à côté. On avait 2000 kilomètres à faire et on savait que nos visas s'arrêtent à un certain moment. Donc, il fallait quand même passer la frontière. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le type, typiquement russe, encore une fois, il allait rouler pratiquement sans pause les 2000 kilomètres. Il faisait 20 heures de suite. Il roulait pas non-stop, il faisait parfois des toutes petites pauses, il fallait donner à boire aux chevaux, il fallait aussi peut-être sortir, aller aux toilettes ou manger quelque chose, mais il roulait plus ou moins non-stop toute la journée et la nuit. Il s'arrête sur une espèce d'air, mais air russe. C'était comme un mauvais film de gangster avec une espèce de maison close et un endroit où, je pense, pendant la journée, on peut manger. Mais là, c'était plus ou moins fermé, que des gens bizarres. Et heureusement, finalement, j'ai trouvé une toilette. Et après, hop, vite dans le camion, je ferme la porte. Et il disait, il faut que je dorme quelque temps. Et il était un peu hésitant. Il était vachement poli avec nous. Il nous servait à manger. Il nous demandait toujours si tout va bien et tout. Mais bon, que faire? Parce qu'il y avait les 2 sièges, impossible de dormir tous les 3 sur cette situation. Et je dis, écoutez, moi je me mets derrière chez les chevaux, dormez là, parce que je voulais qu'il dorme. Il est quand même conducteur, il doit conduire encore. Donc je prends mon sac de couchage, je m'allonge dans le camion derrière avec les chevaux, plus ou moins sur le foin. J'entendais le son des chevaux qui broutaient le foin. Et donc je m'endormais et je me réveille 4 heures plus tard, à 8 heures du matin, parce que ça bouge.
Et je me suis dit, non, ils vont pas me laisser ici dans le camion avec les chevaux et rouler encore une fois une journée entière. C'est insupportable, d'autant plus qu'il faisait chaud. En fait, il faisait très, très chaud. Et encore devant, c'était supportable parce qu'on pouvait parfois ouvrir la fenêtre où ça allait. Mais derrière, chez les chevaux, il faisait très, très chaud. Et du coup, j'ai appelé Tessa pour dire, vous faites quoi là? Vous partez avec moi derrière? Non, non, ils allaient juste se déplacer un tout petit peu pour un autre endroit où il y avait un café et on pouvait se laver un peu et prendre le café pour après repartir. Finalement, on arrive au bout de ces deux jours de camion. Il y a un lever de soleil magnifique et Ali nous fait du thé. On se sépare et on est un peu émus aussi parce que voilà, pendant deux jours, on était quand même tout le temps ensemble. On sort les chevaux du camion qui étaient très, très, très crevés parce qu'eux, ils n'avaient pas bougé. Ils étaient depuis... deux jours et deux nuits, ils étaient dans le camion. Donc, ils étaient très fatigués, ils avaient maigri énormément. Même si on les a nourris, on a donné à boire, mais c'est très, très stressant pour les chevaux. Aucun des trois chevaux, contrairement à ce que les propriétaires respectifs nous avaient promis, était préparé pour ce voyage. Parce qu'on avait dit, OK, il faut que ces chevaux-là soient montés, il faut qu'ils aient déjà travaillé un peu, fait pas mal de kilomètres, parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, partir faire une quarantaine de kilomètres par jour, alors qu'avant, ils bougeaient peut-être pas beaucoup. Donc ils ont dit, oui, ce sont des chevaux super forts, ils peuvent faire 80 ou 100 kilomètres par jour, aucun souci. Et bon, nous, on a vraiment fait confiance un peu, il faut dire, aux gens sur place. Et du coup, on les sort, on les met au piquet, comme d'hab. Il y avait un petit lac juste à côté où on amenait les chevaux pour boire et le mien pour jouer dans l'eau. Et puis nous, on plantait la tente et on se reposait aussi. On part de cette étape-là, on passe par énormément de villages où personne n'accepte de nous donner ni à boire ni à manger. Les gens nous disent on n'a rien, alors que c'est des fermes qui sont bien organisées. On voit qu'il y a des vaches, on voit qu'il y a des moutons et que c'est de l'élevage un peu plus intensif que ce qu'on a vu jusqu'à présent, où c'est des élevages plus spartiates, où il y a vraiment peu de bêtes, mais les bergers sont proches de leurs animaux. Ça, c'était dans le Caucase. Là, la Biélorussie, c'est vraiment des fermes. Tous les travailleurs qu'on croise nous disent non, on n'a rien, on n'a pas à manger. Parce que nos chevaux commencent aussi à avoir faim et on se dit, on va leur donner ce qu'on donne aux animaux des fermes dans le coin, ce qu'on faisait avant. Et là, personne ne veut nous aider. Et on passe vraiment comme ça plusieurs villages et systématiquement, les gens nous disent non, on n'a rien, nous posent des questions sur le voyage, mais c'est notre premier retour brutal à la réalité de, en fait, personne ne va nous aider ici et on est seul face à nous-mêmes. Tout le monde est énormément alcoolisé. Alors, c'était le cas dans le Caucase d'une certaine façon, mais de manière plus on célébrait dans le Caucase, alors que là, c'est vraiment s'anesthésier pour s'anesthésier. Donc, il n'y avait pas du tout ce rapport organique aux choses. Il y avait un rapport beaucoup plus moderne, en fait, on va au supermarché, on va acheter de l'alcool et on va se bourrer la gueule. Donc, c'était un peu plus triste. On est sur le bitume, on est sur les routes. On passe à côté de panneaux qui nous indiquent qu'il y a un fort taux de radioactivité. On passe juste à côté de la frontière ukrainienne, pas très loin de Tchernobyl. Et là, les paysages sont vraiment beaucoup moins romantiques que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on voit énormément de voitures, les routes ne sont pas du tout agréables, il y a énormément de trafic. Là, on a juste des gros camions qui passent à côté de nous à toute blinde et qui klaxonnent. Et voilà, on sent qu'il n'y a pas du tout la même énergie, en fait. Le lieu est complètement différent. Et finalement, on se réenfonce plus dans une forêt. On croise des chasseurs qui nous indiquent une direction. On s'enfonce, on se perd. On se perd complètement. On fait des demi-tours. L'heure qui nous indique une direction plus loin, on ne trouve pas d'issue. On fait quatre fois le même trajet. On tourne en rond sur nous-mêmes. On est vraiment démoralisé. On commence à, forcément, dans ces cas-là, dans des moments comme ça, les tensions montent. On commence à s'engueuler et à se dire que il faut qu'on revienne sur nos pas, mais qu'on n'aurait jamais dû prendre cette route, mais pourquoi on a fait ça. Mais on n'est pas d'accord aussi parce que moi, je veux traverser. Et je lui dis, il y aura forcément une issue de l'autre côté de la forêt. Et elle me dit,
Pas du tout, il faut qu'on revienne en arrière. Il y aura forcément un point d'eau, on ne pourra plus traverser, on sera bloqué, c'est complètement stupide. J'arrive à finalement convaincre Catherine d'aller un peu plus loin. On se retrouve dans un champ. Un champ avec des herbes très très hautes. Là, c'est le lieu où il y a un max d'insectes. Et mon cheval, il pétait un câble. Il était vraiment furieux de ça. Et d'un coup, il se jetait par terre avec moi dessus, sur ma cheville. L'instinct du cheval cavarde prend le dessus et Asker, le cheval de Catherine, commence à se rouler avec Catherine sur son dos et s'effondre sur lui-même. Et le cheval, en fait, nous dit, voilà, moi, j'avancerai pas plus loin. C'est ridicule, on devrait revenir en arrière depuis le départ. Il essayait de nous le montrer, mais nous, on s'obstinait. Et là, je la vois vraiment tomber et crier. Et je me dis, c'est la fin du voyage. Le cheval se roule sur elle, lui a broyé la jambe et on est fichu. Et je hurlais, il était allongé sur moi. Vraiment, je pensais il m'écrase le pied. C'était pas de sa faute. Il était juste énervé par les moustiques et il est tellement rapide, il est tellement. Il se lève et j'avais super mal à la cheville. Je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est pas cassé. Elle remonte, heureusement, il tombe au ralenti. Elle a le pied enflé, mais c'est juste une entorse, mais quand même, elle souffre, elle me le dit. Et là, elle se laisse complètement. C'est-à-dire que pour la première fois depuis le début du voyage, je vois vraiment Catherine qui est affaiblie. Et je me dis, ok, en fait, si je prends pas le relais, si je m'occupe pas d'elle, ça va mal se terminer. Et j'ai vraiment peur pour nous deux. Catherine et moi, depuis le départ, c'est-à-dire c'est Catherine qui sait où on va, qui est la leadeuse, et moi, je suis la rêveuse, je suis la contemplative. Et à ce moment-là, je prends la direction des opérations, je dis à Catherine, je vais nous sortir de là, je reprends un chemin à travers la forêt, je sais pas trop comment, j'ai trouvé une sortie, mais on récupère, on arrive à se mettre d'accord sur une direction à prendre, et je lui dis, voilà, si on va par là, toujours... C'était côté nord-ouest de la forêt, on pourra retrouver la route. Et là, elle me suit, elle se laisse guider. Et je lui donne, en fait, j'avais apporté avec moi de la curcumine, qui est un anti-inflammatoire assez puissant. Je lui donne ça, je descends de cheval. Et tous mes gestes sont extrêmement précis, extrêmement rapides. Et j'ai l'esprit très clair. Et je sais qu'on va s'en sortir. Et tout d'un coup, j'oublie complètement le fait qu'on soit dans cette forêt, qu'on soit dans une situation un peu critique. Et je sais que je vais nous sortir de là. On arrive à la sortie des bois et on retrouve la route. Et là, soulagement pour toutes les deux, parce qu'on est sorti d'affaire. Et puis moi, surtout, il y a eu vraiment un avant-après. Je sais pas comment j'ai fait pour remonter là-haut et j'avais très très mal à la cheville. Du coup, ce que je faisais pour trotter, parce qu'on passait beaucoup de temps au trot et au galop, ce qui est mieux pour les chevaux, pour ces chevaux en tout cas, que de faire beaucoup beaucoup d'heures en pas. Ça les ennuie, ça les énerve, vaut mieux faire un peu plus de vitesse. Et du coup, au trot, je me penchais je m'aidais avec la main, je la mettais devant moi sur la selle pour ne pas mettre du poids sur ma cheville droite. Je m'aidais avec la main, ce qui faisait que je poussais ma selle sur le garrot de mon cheval. Je ne me rendais pas compte, en fait. De ça, il avait une blessure sur le garrot, c'est-à-dire la selle avait frotté, ce qui est la pire des choses qui peut arriver, parce que quand il y a un problème de dos, il y a une plaie ouverte, on ne peut plus mettre la selle. Donc, grand problème. Et on se rendait compte de ça, que le lendemain, quand je mettais la selle, et heureusement, on avait une deuxième selle, donc on échangeait les selles. Et la deuxième selle, elle était construite de sorte qu'elle avait justement là où il y avait la plaie, elle avait un trou. Ça épargnait la plaie. Donc, je disais, oh, très bien, on peut quand même continuer, ça va se passer. Ça va bien se passer. Mais après, ce matin-là, les chevaux étaient extrêmement fatigués. On avait donc le mien qui avait le problème de dos. On avait un deuxième qui boitait, qui commençait à boiter. Et mon cheval, il avait déjà fait ça une fois. Quand il est trop fatigué, il refuse de marcher. Ce qui est très intelligent, en fait. Il ne faut pas marcher quand on est crevé. Aucun sens. Et du coup, on le forçait un peu. On se dit, il faut quand même aller jusqu'au prochain village, puis on va faire une pause, et puis on va réévaluer la situation, voir ce qui se passe ici. Parce que comme ça, on ne peut pas continuer. On s'arrête au village.
Alors, on était à côté d'un jardin où il y avait des gens. Et j'enlève la selle. Et lui, il se couche plat par terre comme mort. Il était tellement crevé qu'il ne bougeait plus du tout. Et c'était effrayant, en fait. Il était vraiment... Les chevaux, ils ne font pas ça, normalement, de s'allonger comme ça. Surtout des chevaux un peu nerveux. Soit ils dorment debout, soit ils dorment... Enfin, ils peuvent se coucher, mais comme ça, plat, par terre. Enfin, c'était pas drôle. Et l'autre qui boitait, donc c'était catastrophique, en fait. On était vraiment... On disait non. Là, il faut s'arrêter, il faut faire quelque chose. On essayait de faire plein de choses. On utilisait la bétadine pour calmer l'inflammation. On essayait avec l'argile pour couvrir la plaie. On essayait de faire un pansement. Rien ne fonctionnait parce que le cheval, il bougeait. Il était au piqué. Il n'y avait pas d'écurie. Il n'y avait pas d'ombre. Il y avait le soleil qui tapait, les insectes. C'était horrible. Et le cheval, il allait vraiment mal. Et moi, franchement, ça me causait de la peine de le voir comme ça. Et finalement, j'ai décidé, non, on peut pas rester ici. On a aucun moyen. Il y a personne qui peut... Enfin, on faisait le tour du village pour voir s'il y a pas quelque part un endroit ou un box ou une ferme où on peut les mettre pour qu'ils se reposent dans le calme. Il y avait rien du tout. Du coup, j'appelais mon contact en Russie qui, lui... se mettait en contact avec quelqu'un d'autre en Biélorussie, qui finalement promettait de nous chercher en camion pour nous ramener à la ville. Ça voulait dire que le parti, déjà en Biélorussie, c'était mort. Mais il y a des situations où il faut se décider comme ça parce qu'il n'y a pas d'autres moyens et les chevaux, ils allaient vraiment mal. Et du coup, on arrive à l'écurie, on disait « Ouais, maintenant, il y aura un vétérinaire, il y aura un box, ça va être calme, ça va être plus frais. » Et là, on atterrit dans une écurie horrible. C'est-à-dire vraiment un endroit, une espèce d'écurie désaffectée où il y a des chevaux derrière, des chevaux et pas que des chevaux, des cochons, des vaches, derrière des grillages, avec des déchets un peu partout, avec cet éleveur biélorusse qui est venu nous chercher, qui soi-disant... est un éleveur de chevaux de concours, de CSO. Mais en fait, ses chevaux, la plupart, sont blessés, très maigres. Et il veut pas faire venir de vétérinaire là-bas. Et il veut pas qu'on soigne le cheval correctement. Il met ses doigts dedans. Il les met dans des boxes qui sont pas nettoyées. Il rémunère ses palefreniers avec de l'avocat. Enfin, c'est vraiment l'enfer de ce qu'on peut imaginer dans un endroit où il y a des animaux, et on se dit en fait on peut pas rester ici. On finit par trouver un transporteur qui accepte de nous faire passer la frontière polonaise, et on part en plein milieu de la nuit. Moi, je hurle pour que cet éleveur biélorusse nous laisse partir, parce que le type est vraiment comme le méchant dans les James Bond. C'est un gros biélorusse avec des dents en or, qui est machiste, qui en même temps veut pas nous laisser partir tant qu'on lui donne pas d'argent. Finalement, on réussit à négocier avec un contact russe qui l'appelle et qui lui dit on vous paiera plus tard. Et il nous laisse partir en plein milieu de la nuit. On passe la frontière polonaise avec deux conducteurs, une femme et son frère biélorusse, dans un camion complètement pourri avec des mouches, des restes de nourriture, absolument pas aux normes de sécurité, avec un vent derrière qui est brinque-ballant, et on sait pas trop comment les chevaux vont tenir. Mais en fait, on se dit c'est notre seule chance de quitter ce pays. Pour moi, c'était un peu le souvenir négatif de ce voyage-là, parce que quand je voyage, moi, je peux me mettre dans des situations désagréables, je peux me blesser, je peux prendre des risques, je peux faire plein de choses, mais c'est ma décision à moi. Et moi, je sais pourquoi je veux voyager. Et si je me mets dans des situations comme ça, j'assume et j'accepte que c'est parfois pas très agréable. Mais là, j'amène un autre être vivant qui vient de ces beaux montagnes et qui finit chez le vétérinaire, voilà, comme ça. Alors, c'était quand même un peu triste à voir. Ouais, je me sentais pas très à l'aise en ce moment-là. On arrive dans la nuit. Je crois que je suis déjà nostalgique
en fait, paradoxalement, c'est-à-dire que j'en peux plus et j'ai envie de me poser enfin et que les chevaux soient à l'abri. Et j'ai une part de moi qui est extrêmement triste parce que c'est la fin d'une vie avec ces chevaux au quotidien et d'un partage avec Catherine et avec eux que je sais que je vivrai plus jamais. On est accueillis par l'éleveur bavarois qui récupère les chevaux, qui rigole, qui prend pas du tout en mesure, enfin la mesure de ce qu'on a traversé, qui a pas vraiment l'empathie, mais qui sent quand même que on est épuisé. Moi, je dis rien, je suis très silencieuse. Ce qui me ressemble pas beaucoup, mais je suis très très silencieuse. Catherine parle beaucoup plus. Catherine gère complètement la situation, arrive à avec vraiment une énergie incroyable à retourner dans le village à 10 km chercher de l'argent pour payer le transporteur. Elle gère toute la paperasse, elle interagit avec notre hôte en allemand. Moi, je dis rien, je suis assise et je suis une épave. Je suis vraiment une épave à ce moment-là. Et c'est le lendemain seulement, quand on a soigné Asker, que la vétérinaire est venue, il a été opéré, on lui a soigné son abcès, il avait un abcès assez sale, et que les chevaux ont été pris en main, et que je savais que ça y est, on arrivait à la séparation. Que je suis allée voir le troupeau, en fait, il y avait un troupeau de chevaux cabardes, et il y avait des poulains, il y avait des juments, et j'ai passé du temps avec eux, et je suis revenue dire au revoir aux chevaux, et j'ai complètement craqué, c'est-à-dire j'ai pleuré très longtemps. Il y avait cet éleveur bavarois qui ne comprenait pas tellement cette tristesse ou cette mélancolie. Il y avait Catherine qui sentait bien que j'étais fébrile à ce moment-là. Et ouais, il y avait une forme de... Bon, ça y est, tournons la page. Mais il y avait aussi un sentiment d'accomplissement et à quand la prochaine aventure. De cette expérience sur les routes, Catherine et Tessa gardent un souvenir fort des émotions intenses et les difficultés, avec le temps, s'effacent pour ne garder que la saveur d'une nouvelle amitié nourrie des joies partagées, des fous rires et des situations cocasses. Pour Catherine, c'est une reconnexion avec les chevaux de son enfance, pour de futures expériences en cavalière, peut-être. Les Baladeurs, une série audio Les Others, écrit et réalisé par Camille Jusot. La musique est composée par Alison Brassac et le mixage est de Laurie Galigani. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons dans les traces de Joseph Kessel en Birmanie, à l'assaut de la vallée des Rubis. À bientôt.